c'est la Kamekome et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Wars The Old Republic du côté lumineux de la force avec notre ombre Jedi. Je suis déjà en route pour l'endroit où il fallait aller, parce qu'on est déjà arrivé. Et j'ai pris la peine aussi de vendre un peu de trucs sur mon inventaire parce que c'était full. C'était complètement plein. Ça je vais l'utiliser. Voilà, non pas par là tout de suite, on va d'abord aller allumer le signal pour se débarrasser de ça. Ah mais c'est par là quand même. Attendez, je vais retourner, hop, voilà, par là. Je m'en allais dans la mauvaise direction. Jedi, vous êtes venu. Bien sûr. Jedi, parlez. Apprendre pouvoir. Que s'est-il passé au temple? Les maîtres ont dit quoi? Dites-lui. Jedi, parlez. Oh, c'est bon. À mourir. Vous êtes admis. Et le conseil Jedi va avoir une sacrée surprise. Vous entendez ça? Vous avez ce que vous vouliez. Le pouvoir de la chasse, le pouvoir des Jedi, les pierres, tout. D'abord, chassez Jedi. Chassez Jedi chasseurs. Chassez pierres. Il veut dire que vous pouvez chasser tout ce qui lui appartient. Les autres déchiqueteurs, moi, et il s'en va. Prie Jedi. Chasse Jedi. Je ne pensais pas que vous le feriez. Vous l'avez aidé? Vous m'avez sauvé? Bah bien sûr. Je sais rentrer au village. Ce n'est pas très difficile depuis ici. Et il y a une arme qui lui apparaît dans la main comme si rien n'était. Comme ça. D'accord. Ah, pas de problème. On se retrouve au village Kalkori plus tard. Pour l'instant, on est plus proche de la mission de base et de la mission héroïque que je vais essayer de faire. Je doute de vraiment réussir. Je crois que je vais plus attendre le partenaire. Je vais attendre d'abord le partenaire, comme ça je vais avoir Hill à côté de moi avec moi pour me rendre ma fille, parce que les missions héroïques sont compliquées un peu tout seul. Quand il n'y a pas de. Peut-être quand on commence, je dirais que je suis encore un peu au début.
Maître Rajivari est mort. Le conseil a survécu. Nous avons échoué. Ils vont venir après nous. Ils devront nous assiéger pour nous capturer. Nous n'abandonnerons pas. Le cinquième principe de Maître Rajivari dit que la clémence envers un ennemi crée une spirale destructrice. Nous emporterons de nombreux Jedi avec nous. Encore un Jedi aujourd'hui, mon septième. Maître Rajivari a constitué une armée avec les alliés qu'il a trouvés derrière les montagnes. Ils nous seraient très utiles maintenant. Mais ils ont disparu. Ils ont juste déserté. Ces cannibales et leur campement stupide. Le deuxième principe de Maître Rajivari dit que la vie est un combat jusqu'à son dernier souffle. Mais nos alliés ne nous ont pas laissé le choix. Ok. Oh,
Mais non. Tu peux mourir. Laisse-moi tranquille. Voilà. Ce que j'avais avec là, je crois que j'ai pas mal, c'est loin pour capter pas. J'ai pas la paix. Ah, il y a une mission ici en plus. Ah, je l'avais jamais vu celle-là. Oh, c'est impossible. Pourquoi mon maître me proposerait-il une épreuve insurmontable? Il y a un souci? Oh, vous m'avez fait peur. Je ne vous ai pas vu arriver. Mon maître m'a dit qu'il y a des matériaux de valeur derrière ce rocher. Mais figurez-vous que c'est impossible de déplacer ce fichu truc. On m'a donné l'ordre de rejoindre une plateforme dans les décombres, de méditer et de laisser la force me rendre fort. J'ai médité jusqu'à en avoir des vertiges, mais sans résultat. Vous devriez peut-être essayer. Ah, vous ne savez pas depuis combien de temps j'essaie. Alors je vais être chassé de l'ordre parce que je n'arrive pas à déplacer un rocher qui ne peut pas l'être? C'est ridicule. Et si... vous pourriez peut-être m'aider? Vous êtes doué pour ce truc de méditation? Dites-moi pourquoi je devrais vous aider dans votre entraînement. L'ordre Jedi ne parle-t-il pas de coopération et d'entraide? Oui, n'est-il pas de notre devoir d'aider nos camarades en détresse? Je suis tout à fait d'accord. Que dois-je faire? Oh, merci. Vous me sauvez la vie. Alors, agenouillez-vous devant l'autel. Normalement, si vous trouvez la paix intérieure, vous pourrez faire bouger le rocher. Si vous échouez, je pourrai dire à mon maître que je ne suis pas le seul à ne pas avoir pu le faire bouger. D'accord. Ça. Par contre, moi j'ai pas compris. Ah, qui c'est ce rocher là? Il a pas vraiment bougé de mon point de vue, mais. Ah, si, il l'a fait. Vous avez réussi! Je ne sais pas si je dois avoir honte de ne pas avoir pu le faire, ou si je dois être content que ma mission soit remplie. Il devait y avoir quelque chose d'important derrière ce rocher. Alors on doit continuer à chercher. Mais... Iniki. Maître Quilljake, que faites-vous là? Wanawadablota Wijawa. Oh, Wamabwanka Matuske. Voilà, c'est ce que je me disais. Manchi toti puna puna, kabuk nunis nemo. Kunta chuta, kasuyali kulira, kanki kum. Mais maître, ce n'est pas ma faute. Je n'ai demandé l'aide de personne. J'ai essayé de refuser. Humain. Oui, je me suis proposé. Je sauve ça. Non, allez. C'est vrai, maître. J'ai imposé mon aide à Flingeld. C'est un choix obscur, mais je vais faire ça. Il mérite pas d'être kické dehors. Il a juste pas réussi. Merci, maître. Votre patience et votre foi en moi m'honorent. Imache, churon chika chiliska chanaga. Liska taka, ya yoska ukle yuga chesko pukuta. J'ai eu suffisamment de lucidité pour communier avec la force. Qu'en dites-vous? Ki patu patu. Manchi toti puna puna. Kabuk nunis nemo. Wanawada blota wijawa.
O Wamabwanga Matuske. Klingeld pourrait vous surprendre la prochaine fois. Wonki Atacha Kapatonka, Chisa Picha. Kitusta Barawanga, Nisuburkobo Pomo? Oui. Oui, maître. Wana Wada Blota Wijawa. O Wamabwanka Matuske. Vraiment. J'imagine qu'il fit avec le reste un peu de la tenue, j'ai l'impression. C'est tellement de bordel dans mon mental. Puis la pire, c'est que la plupart des trucs que j'ai, faut que je préfère les garder. Ça va à l'intérieur. Non, mais non. Non, mais non, mais laissez-moi tranquille, quoi. Possible. Et en plus il donne rien qui en vaille réellement la peine alors. Ah bon, bonjour, c'est pas toi que je cherchais par contre. Ah voilà, il est là. Qu'est-ce que c'est que cette fois? Ça n'arrête pas de saigner. Un bon sang. Pourquoi est-ce que j'ai couvert Vadria? Le septième principe de Maître Rajivari disait ceci. Sacrifier sa force et la voix de la folie. J'aurais dû la laisser mourir. Peu importe. Le siège est presque terminé. Il n'y a qu'une seule issue possible. Ok, on va aller voir Maître Yuan. D'abord, on va faire un petit saut au village Kelkori pour aller dire à l'autre. Ça, c'est bien cela. Oui, on va aller voir au village Kelkori. Tac. Et de ce village, on va aller au temple Jedi. Ça devrait pas être très très long. Voilà. Oups. Jedi, vous avez trouvé mon fils. Merci. Ouais. Il m'a dit ce que vous avez fait. Il ne craint plus rien maintenant. Je suis contente que celui qui l'a enlevé soit avec vos maîtres. J'espère que le Conseil Jedi saura s'occuper de lui. À mon avis, il sera un élève difficile. Les déchiqueteurs ne nous feront plus aucun mal. Ça suffit. Je vous le promets. Quand les anciens parleront des Jedi, je parlerai moi aussi. Mon fils parlera. C'est notre façon de vous remercier. Ravi de rendre service. Bonne chance, Jedi. Au revoir et encore merci. Ah. Et comment? Ah non, je sais pas choisir, je prends tout en fait. Je croyais que j'avais un choix à faire. Salutations. Vous avez accès aux itinéraires suivants.
pas un hasard si notre entraînement prend du temps. Je m'en fiche, je suis prêt. La forge. Maître Yuan, quelque chose d'intéressant. J'ai les indices qu'il nous faut. Oh, Padawan. Déjà de retour? Quels indices as-tu trouvé? Les terminaux contenaient les dernières paroles des apprentis de Rajivari. Alors les Jedi ont assiégé Khaled quand Rajivari a essayé d'anéantir le Conseil. Et ses apprentis ont tenu bon. Remarquable. Si préserver les idées de leur maître était si important, ils auraient dû tout faire pour rester en vie. Peut-être qu'ils pensaient que seule cette vie valait la peine d'être vécue. Avec un peu de chance, les principes que tu as récupérés t'aideront à passer le puits de Rajivari sans encombre. Et quand Kaizen nous rapportera la dernière coordonnée... Attends. Où est Kaizen? Cela fait... Combien de temps est-ce que j'ai travaillé? Je devrais partir à la recherche de Kaizen pour m'assurer qu'il va bien. Il a parlé des grottes de la cascade, n'est-ce pas? Si Kaizen a trouvé la dernière coordonnée, tu pourras trianguler le puits de Rajivari. Il n'y a pas de temps à perdre, Padawan. Va. Et que la force soit avec vous deux. Ok. Niveau 11. Les principes de Rajivari. Donc je vais m'équiper de ça. Ouais. D'accord. Ah, je peux. Enfin. Bon, ça n'en rajoute pas beaucoup. Mais c'est pas grave. C'est déjà ça de prix. Par rapport à ce que j'ai. Vous avez accès aux itinéraires suivants. Il y a la pièce, ça va bien. C'est pas mal.
quoi ce délire. Nalon Ralok aura ce qu'il mérite. Tosha Lukchik Pakna, Shiver Skos, Zademo, Yanor Foyna. Yanor Foyna, Zademo, Ragorant, Rakir Hudlek Sisknas. Tu as dit que tu gagnais des points de Jagannath en chassant. Tu pourrais recommencer. Qu'est-ce que je comprends pas? Kaizen, Maître Yuon est resté au temple Jedi pendant des heures. Nalon a dû utiliser la force pour te faire croire qu'il était Yuon. Il le trouvera. Mais pour entrer sans encombre, sans les informations que j'ai amassées, ce sera une autre histoire. Tu vas les regagner, on va t'aider. Maintenant que tu nous suis, on va les regagner, t'es pas, t'inquiète. La chasse renforce. Ouais. Premier partenaire. J'aimerais juste voir d'ailleurs un truc. Juste comme ça. Jedi Consular, il est là. C'est... Ah, ok, c'est autre chose. Pour ceux qui veulent regarder, oui, dans les secondes bien avant, vous avez un spoil sur tous les partenaires que je vais avoir au fil de l'aventure avec ce Jedi Consular. Mais moi, je n'ai pas. J'ai juste regardé vite fait. Je n'ai pas vraiment vu. De toute façon, je me suis déjà tout spoil, mais je m'en rappelle plus très bien. De mauvais côté. C'est bon, enfin un partenaire. Oh, tiens. C'était pas là tout à l'heure, hein, quelqu'un qui est passé juste devant. Avant de...
Ah non, c'est à l'intérieur. Je croyais que c'était dehors. Oh merde. Top, chercheuse.
Vous arrivez ici non purifié. C'est une insulte à la mémoire de Rajivari. Les apprentis de Rajivari étaient imparfaits. Mais ils ont traversé le feu et sont nés une seconde fois. Seul un sacrifice personnel peut montrer votre force et votre volonté chercheuse. Voulez-vous être purifié par le feu ? Oui, je sais terminer ce sacrifice de la folie, purifier mon allié. Je vais traverser le feu et vous montrer ma force. Des paroles courageuses. Mais le sacrifice personnel est la voie de la folie. Le puits de Rajivari n'est pas accueillant avec les étrangers. Fuyez ou souffrez. Vous avez réussi, finalement. J'espérais que votre tête servirait de trophée à Nalon à l'heure qu'il est. Je suis venu ici pour prouver ma valeur. Et à Nalon. Mais les pièges, peu importe. Vous êtes une ennemie. Si je peux encore tenir une lame, je peux vous frapper en plein cœur. Ce qui fait de vous mon ennemi, vous épargner n'entraînera qu'une plus grande destruction. Enfin, disciple de Rajivari. Allez-y. Vous l'avez mérité. C'était même pas vrai. Là, j'ai eu bon avancement, je pense qu'on tombe. Et voilà, j'y suis. Sculpture de pierre. Voyons ce qu'il sait. Non, je pense pas que je vais faire mon sabre ici. Peut-être pas. J'en ai aucune idée, on verra. Je n'aurai pas peur. Je peux survivre à ça. Chercheurs du savoir interdit ont toujours leur poursuivant. Si tu es ici pour Nalon Ralok, il est venu et reparti. Les choses disparaissent si vite. Mais je suis toujours là, toujours le même homme, Rajivari. À quoi ai-je l'honneur, précisément ? Ah, il le voit même pas. Ton animal est plus malin qu'il n'y paraît. Animal est au... Quand mon corps m'a respect, quoi. J'ai refusé de ne faire qu'un avec la force. Comment pouvais-je ? Les Jedi étaient toujours imparfaits. Ici, dans mon laboratoire, j'ai perfectionné certains dispositifs. Je pouvais donner à un apprenti des décennies d'expérience en un jour. Un apprenti digne de transmettre ma vision. Votre sagesse et votre savoir ont été préservés à travers vous et ces dispositifs que vous avez créés. J'ai attendu de nouveaux acolytes. J'ai cru que Nalon Ralok était un candidat convenable. Mais quelle déception. Nalon s'est engouffré dans les pièges plutôt que de les éviter. Il a beaucoup souffert. Toi au moins, tu as survécu sans que ton esprit en souffre. Monter le premier, bah j'ai préféré prendre le coup que de le donner à l'autre partenaire.
L'état de Nalon ne change rien. Je dois le retrouver. Je me suis trompé. L'esprit de Nalon n'était pas à la hauteur de la sagesse qu'il exigeait. Je n'en ai pas fait un successeur, mais un monstre. Au moins, je regrette. Nalon ne fera pas remettre Jedi. Il me semble que c'est l'un des premiers à avoir basculé. Ainsi que toute cette planète. Qui s'est rebellé. À commencer par la Forge. Il voulait fabriquer les sabres laser. Il voulait faire Sans la Forge, explorer les Jedi perdent leur justement sans vraiment terre. Basculer, puis il a fini par basculer. Il me semble que c'est ça. Avant qu'ils ne la détruisent. Bah, certain. Maître Yuan ne m'a pas parlé de cette forge. À mon époque, elle fabriquait nos lames et nos outils scientifiques. Maintenant, on y conçoit les sabres laser. Ouais. Cette arme ne suffira pas contre Nalon. Mais tu portes la poignée de la première lame, une vieille amie. Il suffirait d'un procédé simple pour en faire un sabre laser et peut-être d'un cristal des grottes de la forge pour l'alimenter, étant donné son âge. Enfin, ça... Je vais enfin pouvoir porter l'arme d'un Jedi. Et l'autre, la... Traverse les grottes. Tu trouveras la forge au sommet de la montagne. Arrête Nalon, cette abomination que mon savoir a créée. S'il le faut, j'aimerais... Donnez-moi plutôt votre sagesse. Je comprends les enjeux et ce que vous avez fait. Je le retrouverai. Va. Arrête Nalon avant qu'il... Avec celui-là, je vais essayer d'être lumineux. Avec le chevalier Jedi, je vais essayer d'être plus obscur. Enfin, au début, je vais être lumineux. Tandis que à la fin... Parce que je sais qu'on recrute un seigneur Sith comme partenaire. Ouais, c'est bizarre. Ça me permet de prendre une douche. Niveau 12. Ça a été amélioré, il faudrait juste faire mieux. 44. Vas-y. Mets-le. Tellement de trucs. Il y a trop de trucs, c'est dingue. Maintenant faut que je sorte ici pour aller dans la forge. Le chemin inverse. Bah pas à la forge, pas directement à la forge, mais faut chercher le cristal d'abord. Chiant, tu es là. J'ai envie de le faire.
Merde, pas ça. Allez. Il est mort. Moi, il y a eu des peurs. Je peux pas m'apporter. Pas trop mal. Je pourrais le mettre des gants là. Les formes n'ont pas de sens. Pas grave. Vu que ça améliore pas ses stats, je vais le enlever. Et les avant-bras, est-ce qu'on les voit? Ouais, les avant-bras, oui. Est-ce que ça s'arrange sur lui? Bon, allez, on va lui mettre ça. Bah, on les voit même pas, les, on voit pas les bottes non plus. En même temps, vu les pieds qu'il a. Allez.
dans son carrière. Cela demandera beaucoup de concentration. Si tu pouvais surveiller mes arrières. Oui, pas mal sûr. C'est très bien que ce soit vous qui ayez le dernier sabre laser que cette forge aura fabriqué. Regardez un peu. Un nouveau Jedi à saluer et respecter qui ne fait rien pour empêcher les déchiqueteurs de ravager notre village. Je connais les secrets de Rajivari, les horreurs dont les Jedi, ce Jedi, sont responsables. Moi seul peux nous protéger. Nous, nos familles et notre avenir. Quel que soit l'avenir qui attend le village Kalikori, il sera entaché par ce que vous êtes devenu. Nalun, c'est... Tu vas trop loin. En quoi ça nous protégera? J'ai fait tout ça pour vous. Si vous êtes incapable de voir le danger, je vais vous le montrer moi-même.
Écoutez votre peuple. Ce n'est pas ce qu'il veut. Ils comprendront quand vous serez morte. Skocharat mas kozla, svetod trangis, unma polua, yorska pope. Finissons-en. J'avais oublié l'odeur de mon propre sang. Je me rends. Vous avez battu Nalon Ralloc? S'il vous plaît, vous n'allez pas le tuer. Pourquoi? C'est au conseil des Nalon. Je vais le faire prisonnier, il doit mourir. Cette décision ne m'appartient pas. En effet. Je dois d'abord consulter le conseil. Mais il nous quitte malgré tout. Le village a besoin de l'aide de Nalon. Comment allons-nous faire? J'aimerais vous aider. Gardez espoir, trouvez votre propre force. Si vous avez besoin de moi, je ferai tout mon possible. Lui, il est pas content. Je le connais pas du tout, ce partenaire-là, alors je sais pas. Voilà. Si je dis il doit mourir, il n'y a qu'une seule façon de mettre fin à tout ça. On va faire le côté du truc du côté lumineux pour le garder. Enfin, je sais pas, on va voir comment ça tourne. Ça se trouve avec je ne vais pas Jedi, le tuer. Y a plus facilité. Il peut aller au temple Jedi jusqu'à ce qu'on décide de son jugement. Mais il nous quitte malgré tout. Le village a besoin de l'aide de Nalon. Comment? Trouvez votre propre force. Comptez sur les autres pour vous protéger, voilà. Vous rend faible. Ne l'oubliez pas. Nous pouvions toujours compter sur lui. Peut-être que nous l'avons poussé à devenir ce qu'il est devenu. Nous pouvons emmener Nalon au temple. Il fait toujours partie des nôtres. Rinkhods Luk Sar, Trakva Krenok, Luk Gachos. Je crains de ne pas comprendre. Rasmopes Alek Onglok, Vladevorsk, Souviendras, Orthagorsk, Karnaxis, Orthagorsk. Je ne crois pas en cette gardienne des points. Comment pourrais-je être sa messagère? Si je crois que c'est comme ça, tant pis. Vrapsak, Lambasarsk, Varsk Potrak, Mvraksk, Unbakolua. Si tu crois vraiment que je suis cette messagère, je ferai de mon mieux pour être à la hauteur. Mon conseil Jedi. Qui manque une modification. On dirait qu'elle est... Conseil. Temple Jedi plutôt. Conseil directement. Temple. Ouais, je préfère la notion héroïque, mais je sais que je ne vais pas faire ce moment. Je ferai plus tard, une autre fois dans une autre vidéo. Là, il y a une mission juste à côté aussi qui est là, le truc. Modification. Thank you.
décrivez vos symptômes. Décrivez vos symptômes. Inventaire rempli. Je sais pas si ça compte. Mais j'en doute. Voilà. Il y a un objet que je peux utiliser aussi. Je vais faire ça. Hop. Parce que le celui que j'avais déjà d'actifié est presque fini. Ça fait une place de plus dans l'inventaire. App de service. Regagnez votre poste. Peut-être en dessous. Peut-être en rendre compte. En même temps, t'es pas. Je crois même pas qu'il soit sensible à la force. Alors, il est là, mais c'est juste parce qu'il est là. Ah, merde. Ouais, la course est Jedi. T'attendions, Padawan. Tu connais déjà Maître Jarik. Voici Maître Satil Shan. Mm-hmm. Meilleur Jedi du monde au moment présent. J'ai soigné Nalon Ralok. Les pèlerins qui me l'ont amené m'ont parlé de votre combat. Remarquable. Je n'ai jamais connu d'échec. Encore. Tu commences bien, Padawan. Nous verrons comment tu évolues. Il semble que nous ayons beaucoup à apprendre des villageois. Nous devrions peut-être revoir notre position. Assez, assez, Padawan. Le puits de Rajivari. Tu y es vraiment allé. S'il te plaît, raconte-moi tout. C'est dommage, on voit pas Orgus dans les sièges. Le conseil est pas complètement là, mais... Maître Rajivari lui-même m'a parlé. Orgus, c'est le maître qu'on monte avec l'autre Jedi. Tu as vu l'apparition de force de Rajivari ? C'est extraordinaire. Il semble que vous aviez raison, Yuan. Parce qu'il fait partie du conseil aussi, il me semble. Vous présente mes excuses. À vous et à votre Padawan. Ce n'est plus un Padawan. Elle porte un sabre laser et a fait ses preuves. Je n'ai plus qu'une question à lui poser pour que sa formation soit complète. En ce moment, Nalon Ralok se repose dans un bain de colto. Quand il sera rétabli, que devons-nous faire de lui? Faites-en un Jedi, rendez-le à son peuple, gardez-le prisonnier. Faites-en un Jedi. Nalon a prouvé que la force est puissante en lui. Ah, l'autre est désapprouvé. Il a peut-être un admirable. Je suis désolé, je peux pas faire ça. Je préfère que le partenaire approuve, personnellement. De toute façon, ça n'a pas vraiment d'impact. Pour l'instant, c'était petit truc. Alors, on va skip. Je fais toujours du bon travail. J'ai rencontré Maître Nalon est toujours une menace. Vous devriez le garder en détention, indéfiniment. Tu te soucies de la sécurité d'autrui ? C'est très prudent. Nous estimons que tu es apte à devenir un Jedi. Yuan, si vous voulez bien. Devant ce conseil, je te retire le titre de Padawan. Je fais de toi un Jedi de notre ordre. Honore le passé. Œuvre pour l'avenir. Que la force soit avec toi à jamais. Tu as été si brillante, mon élève. Je suis... Maître Yuan ? Quoi ? Je m'attendais pas à ça, qu'est-ce qui se passe? On la perd. Yuan, vous m'entendez? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, le retournement. Elle va pas mourir. Mais non. Moi, si elle Yuan meurt... se repose confortablement pour l'instant. Il semblerait qu'elle souffre d'une sorte de maladie. Je ne vais pas te mentir, son état est grave. Oh, mais merde.
Maître Yuan se comportait de manière étrange. Vous saviez que Yuan était malade et n'avait rien dit? Je comprends pourquoi elle s'impliquait tant dans ma formation. Yuan va être emmené sur Coruscant. Nos chercheurs y ont découvert des artefacts du premier temple Jedi. Ils pourront peut-être la soigner. Prends une navette et rejoins Yuan sur Coruscant. Elle aura besoin de ton aide. D'accord. Je ne la laisserai pas mourir. Je ferai tout ce que je peux pour qu'elle guérisse. En parallèle, assure-toi que Yuan étudie tes découvertes sur Rajivari. Certaines déclarations qu'ont enregistrées ses apprentis méritent investigation. Sur Coruscant, rends-toi à notre ambassade dans la tour du Sénat et y trouve un chercheur du nom d'Atrosphine. Il t'attendra. Bonne chance. À vous deux. J'espère qu'elle et mourra que pas. Que la force soit avec vous. Je vais dire pourquoi après. C'est une raison toute simple, mais j'espère qu'elle mourra pas. J'espère qu'elle ne mourra pas pour la simple raison qu'avec tous les autres personnages utilisateurs de la force, le maître meurt. C'est simple. Avec le chevalier Jedi, il meurt. Et avec les Sith, honnêtement, bah, tu le tues. Bon, avec le avec l'inquisiteur, pas vraiment, mais tu as la chance de le tuer plus tard. Mais bon, c'est chiant, quoi. Je veux dire, si avec tous les autres, si avec celui-là aussi, ça, le maître meurt. Avec tous les personnages utilisateurs de la force, et ben, le maître va crever. Chiant. On va se taper là-bas. Et c'est ça, ça va être la fin de la vidéo. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à la partager ici. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis au revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir. Ciao.